Oui, salut tout le monde. Euh, ben, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les, euh, quelques résultats d'une étude que euh, je mène depuis euh, un an et demi pour essayer de développer des références, des budgets de référence en maraîchage diversifié. Je vais partager mon écran. Puis J'aimerais ça que si ça marche pas, euh, quelqu'un me le dise. Donc là, vous devriez voir un fichier Excel là, vous devriez voir mon PowerPoint euh, en plein écran. Oups, je suis en train de réviser. Voilà. Euh, donc, dans le cadre de ce projet-là, on, euh, on, on, on développe des budgets types de modèles maraîchers, de, donc d'entreprises de, 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 de taille et de euh, systèmes de production euh, différents. C'est un projet qui est, euh, qui est financé par l'entremise du programme Service-Conseil en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, euh, une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Donc, euh, ce qu'on va regarder dans le, 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 le 20 minutes euh, que j'ai, je vais parler du contexte euh, du projet. On va regarder quelques éléments des budgets qui sont ressortis les revenus, euh, différentes dépenses en intrants. On va regarder les résultats globaux qu'on obtient les revenus versus les charges. Puis, quelques euh, infos sur les équipements là, typiques des différents modèles d'entreprise. Euh, puis, je vais vous présenter, si j'ai le temps, rapidement l'outil de budgétisation que j'ai développé dans le cadre de ce projet. Donc, ça vient, ça vient d'où le, 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 le besoin d'avoir des budgets de référence en maraîchage? Euh, ça vient des conseillers qui ont besoin de données technico-économiques par modèle pour conseiller des, des aspirants agriculteurs. Il y en a beaucoup ces temps-ci, depuis plusieurs années, il y a des, un engouement pour le maraîchage, notamment pour le maraîchage bio-intensif. Puis il y en a beaucoup, dont les conseillers, qui se demandent euh, c'est quoi, y a-t-il un meilleur modèle? Est-ce qu'on devrait orienter les. Euh, les gens vers l'un ou l'autre, ou les, les, les gens se demandent quel modèle adapté, mécanisé ou bio-intensif. Donc, on voulait avoir des chiffres à l'appui pour euh, renseigner mieux euh, ces décisions-là. Donc, on voulait fournir des références réalistes à ces aspirants agriculteurs, puis pour les entreprises déjà existantes, les aider à se situer en, en, en se comparant avec d'autres euh, budgets d'entreprise euh, qui leur ressemblent. On espérait aussi par la bande euh, en même temps stimuler la, la, la culture de la prise de données chez les, les maraîchers euh, en en parlant avec les maraîchers euh, qu'on qu intègre à l'étude, mais aussi quand on obtient des, euh, des données comme ça qui sont intéressantes. Je pense que les, ça vous permet de réaliser là, que ça peut, ça peut être intéressant puis euh, vous, vous appuyer dans votre gestion. Euh, donc, ce qu'on fait dans le cadre de ce projet-là, on a établi, euh, on a décidé qu'on allait qu'on qu on, qu on allait regrouper les fermes en cinq modèles et qu'on voulait avoir cinq fermes euh, de, de, de par, par, un échantillon de cinq fermes par modèle, ce qui nous donne un, une population de 25, idéalement, mais là, il y en a deux ou trois que, qui ont euh, abandonné en cours de route et euh, d'autres dont je n'ai pas encore reçu euh, les données. Fait que pour le moment, j'ai les données complètes de 18 euh, fermes. On procède par modélisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, faire des, des statistiques. Bon, pour produire les budgets de référence, on, on va regarder les chiffres qu'on a, puis on va choisir, on va prendre des décisions éditoriales, disons, pour, euh, pour, pour, pour dire qu'est-ce qui est, qu est qui est réaliste comme budget qu'on va proposer euh, en bout de ligne. Euh, donc, avec les, les femmes participantes, on prend leurs données 2018 et 2019. On prend le, les, leurs états financiers, surtout le résultat, hein, les, les, les revenus et les charges. C'est ça qui, euh, qui nous renseigne sur le fonctionnement de l'entreprise. Puis euh, les éléments de bilan, c est, c est, ça varie beaucoup de la ferme. Ça dépend vraiment de, de, de son contexte, de son euh, historique. Euh, ça, ça pose le défi qu'on doit tout ramener à une charte de comptes commune euh, parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise la même comptabilité, mais elles sont toutes différentes. Puis, donc, on, on a choisi les, les, les comptes qu'on allait utiliser. Puis, on doit tout catégoriser les... Euh, les revenus et dépenses de chaque producteur pour les faire rentrer dans les, les comptes qu'on utilise. Euh, on passe un questionnaire pour euh, quelques informations de mise en marché, nombre de clients, nombre de paniers, euh, nombre de points de chute, ce genre de choses-là. On prend les estimations du temps de travail ou des chiffres mesurés pour les, les, les rares euh, qui le mesurent. Puis on demande la liste d'investissements que la ferme a réalisée ou euh, sinon les, les, une liste d'actifs à valeur marchande pour nous permettre de documenter. Euh, C'est quoi l'équipementation des différents modèles de ferme et à, à, à quel coût on peut les acquérir. Après ça, on va proposer des, euh, des listes d'investissement pour euh, différents modèles. Je montre le classement qu'on a utilisé. Je, on, on va s'attarder un peu euh, à ça parce qu'il faut l'avoir en tête après ça pour interpréter les, euh, les, les chiffres que je vais vous montrer. Euh, on voulait comparer bio-intensif et mécanisé, mais on, on voulait aussi. Euh, Apprécier l'évolution des, euh, des, des repères technico-économiques euh, dans le temps d'une entreprise. Euh, et euh, on, pourquoi on, on, on parle de petite à grande échelle? Parce que naturellement, dans une production mécanisée, il va y avoir une évolution à, à exploiter de plus en plus grand. Euh, tandis qu'en bio-intensif, ce que j'ai remarqué en, en, en échantillonnant mes producteurs, c'est que euh, il y a des fermes qui sont comme bien établies, qui ont un système de production très performant, euh, mais en termes de superficie exploitée, ils restent proches de, reste proche de demi-hectare. Donc, ça faisait un peu euh, bizarre de, de parler de petites et de grosses entreprises quand elles, sont presque, quand elles sont toutes à une taille semblable. Fait que typiquement, les, les fermes en, en bio-intensif vont démarrer à peu près un demi-hectare. Euh, 50-60 000 de chiffre d'affaires de, de production euh, de, de, de légumes. Euh, puis, ils euh, vont évoluer, vont se stabiliser à un hectare. Euh, puis là, les revenus vont aller en 100 et euh, 200 000. Au niveau des fermes mécanisées, souvent les démarrages, on, on voit un chiffre d'affaires d'à peu près 100 000, euh, à peu près un hectare exploité. Puis là, progressivement, là, ils vont atteindre euh, à trois hectares. Des fois, il y en a qui vont trouver un équilibre là. Puis euh, ou d'autres qui vont continuer jusqu'à passer euh, 5 hectares, puis dépasser 300 000 euh, de, euh, de, de, de valeur produite. Euh, on on s'est cassé un peu la tête à, à dire qu'est-ce qu qui distingue euh, concrètement là, le, le biointensif du mécanisé. Ça, euh, j'en ai parlé avec euh, Denis et d'autres personnes. Ça, c'est ce sur quoi on s'est... Euh, Brancher quelques critères simples. En bio-intensif, on utilise un motoculteur, le petit tracteur à deux roues, le BCS, euh, qui permet de faire des planches de 30 pouces. Et, et si, euh, il va y avoir aussi des espacements plus serrés sur la planche plus étroite. Euh, et euh, je, je pense que le, le désherbage manuel permet. Et généralement, il va y avoir des successions plus rapides de, de, de culture. On en finit une, on en démarre une autre tout de suite. Même des fois, on va semer entre euh, les rangs. Une prochaine culture. Tandis que dans le mécanisé, on a tendance à semer plus des engrais verts. Donc, le, ça influence l'agroécosystème, les coûts de fertilisation. Puis, euh, en mécanisé, on a des tracteurs, des vrais tracteurs à quatre roues et on va faire des planches de quatre pieds, des fois cinq. C'était ça nos, nos critères euh, distinctifs. On va regarder un peu ce que, ce que les chiffres euh, m'ont donné. Euh, si quelqu'un pourrait me dire le, le temps qui me reste, s'il vous plaît, ça m'aiderait à me, 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 me payer. Euh, euh, bon, au niveau des revenus, ça c'est les moyennes. Je n'ai pas, pas zigouillé avec les chiffres, c'est vraiment les moyennes brutes de, de mes, euh, mes producteurs euh, participants. Euh, donc, on, on, on remarque l'évolution des, euh, des chiffres entre nos différents modèles. Euh, on distingue vraiment, dans le cadre de l'étude, les, les, les fruits et légumes produits à la ferme de ceux qui font de l'achat-revente parce que ça vient fausser les chiffres quand on regarde le chiffre d'affaires brut. Euh, ce qu'on remarque, c'est que les producteurs en bio-intensif, euh, surtout de, les fermes de petite taille, ont, euh, ont tendance à faire plus d'achats-revente. Euh, je pense qu'il y a certaines productions que les bio-intensifs font très peu, comme les, les patates, par exemple. Euh, c'est vraiment des productions euh, extensives. C'est moins intéressant on veut maximiser là, les, euh, les revenus au mètre carré. C'est des productions qui se mécanisent bien euh, aussi. Donc, un peu plus d'achats-revente chez les bio-intensifs. Um, on, on remarque il um, on, on um, n'y euh, a pas juste des revenus de fruits et légumes chez la plupart des fermes, la plupart ont d'autres revenus euh, externes. Il y a des transplants, un classique, ça se vend, ça se vend très bien. Il y en a beaucoup qui ont des œufs aussi, puis euh, ça peut être quand même des montants euh, considérables. Puis il y en a qui ont des produits de l'érable, des, euh, des produits transformés. Euh, et d'autres, des animaux qui sont élevés euh, et vendus pour la viande. Il y a euh, aussi des revenus non agricoles qui reviennent souvent, location de terres de bâtiments, euh, entre autres, des revenus de placement. Puis il y en a que ça peut être quand même euh, considérable, des placements là, par euh, l'entreprise. Euh, puis il y en a qui vont offrir des travaux là, à forfait, comme de, du déneigement à l'hiver. D'autres qui offrent des services euh, comme consultant ou comme euh, formateurs. Au niveau des, des dépenses, euh, ben, on va regarder les, 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 les dépenses les plus euh, comment dit, spécifiques à nos, nos différents modèles d'entreprise. Les semences, c'en est un qui est euh, particulier parce qu'il y a énormément de variabilité, même à l'intérieur d'un même modèle d'entreprise qui se ressemble. Euh, on, on voit, ça va vraiment du simple au triple. Là. On a les euh, des 2000 000 de dépenses, puis des, une, une, une ferme semblable va avoir 6 000 de, de, de dépenses de semences. Ça varie beaucoup, mais évidemment, il y a une tendance là, à avoir plus de dépenses de semences avec une plus grande superficie exploitée. Euh, au niveau de la fertilisation, ça, contrairement aux, aux, aux semences, on, on voit que c'est relativement cohérent à l'intérieur des modèles. Toutes les entreprises d'une même, même taille ont, euh, ont des, des dépenses de fertilisation là, très proches euh, qui se ressemblent. Ce qu'on remarque, c'est qu'en bio-intensif, pour des surfaces euh, plus petites, ils ont des dépenses de fertilisation qui se rapprochent euh, euh, des, des mécanisés là, qui ont une, une plus, plus grande surface. Hein. Mon, mon petit modèle de biointensif, intensif c'est un demi-hectare. Celui de mécanisé, c'est un hectare. Euh, même chose pour euh, le niveau 2, disons, là, qui est euh, simple ou double en termes de superficie entre le, le bio-intensif et le mécanisé. Donc, plus de dépenses de fertilisation chez les, les bio-intensifs. Um, au niveau des, euh, de la phytoprotection, là encore, c'est très disparate. L'écart était très important entre les, euh, les, différents, euh, les différents modèles d'entreprise. Euh, ce qui est particulier, c'est que les, euh, les fermes qui se, qui se démarrent, les, les en bio intensifs les très petites fermes, euh, j'ai vu très peu de dépenses qu'on finissait par classer en phytoprotection. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de pression? Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une. Tendance nette. Aussi, on peut remarquer que euh, mécanisé moyen a moins, moins de dépenses que les, euh, les petits et les grands. Euh, c'est particulier, mais c'est des, euh, des trucs un peu étranges qui arrivent quand on a des, des petits échantillons. Hein. On va blâmer ça sur euh, l'hétérogénéité euh, de, de l'échantillonnage. Um, <coughs> Maintenant, ça c'est intéressant. Euh, c'est une des choses qu'on voulait voir euh, avec cette étude-là. -là, là, Est-ce qu'il y a un, un impact des modèles? bio-intensif et mécanisé sur les, les dépenses de machinerie, de carburant. Puis, ce qu'on ce qu remarque, c'est que les fermes bio-intensives, il, il y a comme un découplage entre le chiffre d'affaires des fermes bio-intensives et les, les dépenses de machinerie qui restent presque au même niveau, alors qu'on a entre les deux modèles, ça, les, les revenus vont du, au double ou au triple, là, rendu à vitesse de croisière. Tandis que dans les, chez les fermes mécanisées, ben, les dépenses de mécanisation sont à peu près proportionnelles au, euh, au, au volume de production et aux superficies euh, cultivées. L'approvisionnement, les, les matériels culturels, ça, tout ce qui est paillis de plastique, euh, goutte à goutte, plateau à semis, c'est les, les, les affaires qu'on doit tout le temps racheter. Euh, puis, ce que, ce que je remarque euh, ici, c'est que c'est euh, davantage lié à la valeur produite qu'à la superficie euh, exploitée, mais pas, pas tout à fait euh, directement, proportionnellement. Mais euh, bon, je, je, je pense que c'est un poste qui est difficile à, à classer, tant, la façon que les gens font leur comptabilité, c'est euh, difficile d'être très cohérent d'une ferme à l'autre quand on classe les dépenses là-dedans. Au niveau du temps de travail, ça, c'est basé sur des euh, estimations, Bien, ça, on, on obtient un peu ce à quoi on, on s'attendait, c'est-à-dire que sur une ferme biointensive non mécanisée, la, la charge de travail est à peu près proportionnelle au, euh, au revenu, au chiffre d'affaires. Euh, chez les fermes mécanisées, on est capable d'augmenter le volume de production. En, en augmentant moins proportionnellement euh, la, la charge de travail parce que la mécanisation permet une augmentation de la productivité du travail. C'est cohérent avec l'autre les, euh, les, diapo qu'on a vu tantôt où les charges de, de, de machinerie de carburant augmentaient avec euh, le chiffre d'affaires des fermes mécanisées. Tandis qu'en bio-intensif, la charge de travail va augmenter proportionnellement au, euh, à l'augmentation du, du, du chiffre d'affaires et de la superficie cultivée. Um, euh, regarde, minutes, il reste juste deux minutes. Non, ben, c'est pas grave, on, on va avoir une salle de discussion tantôt, ceux qui sont uh, geeks de, 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 de chiffres et d'Excel. De, de, um, ce que, uh, ben, en fait, j'ai bien de la misère à, à, à tirer quelque chose de, de ça. On, on remarque que les, en termes de marge, là, les revenus moins les coûts euh, sont un peu plus élevés chez les, oops, chez les fermes de, de, de middle range. Là, euh, comme on, on dit, ceux qui sont euh, de, les biointensifs en vitesse de croisière, les mécanisés euh, moyens, si j'aurais interprété ça, je dirais peut-être que c'est qu'il moins, faut, faut moins chercher à tout prix à prendre l'expansion en termes de superficie cultivée, mais plus bien dimensionner euh, l'appareil de production euh, et chercher des, des investissements qui vont être productifs. Euh, au niveau de l'équipement, bon, on voit juste que c'est euh, disparate. On remarque qu'il y a des fermes bio-intensives qui ont des tracteurs à quatre roues, mais qui ne vont pas l'utiliser nécessairement pour la production, mais plus pour d'autres euh, travaux de ferme. Euh, des herbages mécaniques, on avait dressé une liste, moi, puis Denis, des, des équipements qu'on s'attend à trouver dans le maraîchage, puis on s'est rendu compte que finalement, c'était souvent les, les mêmes euh, qui revenaient. Euh, puis en, en bout de ligne, je vous aurais euh, montré mon, euh, mon outil de budgétisation. C'est un outil qui, qui comporte une, une, une charte de compte fixe. C'est ma dernière diapo euh, en passant. Dedans, les budgets de référence qu'on développe, ils vont être intégrés. On va pouvoir les afficher côte à côte, se démarrer un budget, euh, un, un budget neuf, regrouper plusieurs budgets, faire des moyennes hein, pour euh, des gens qui voudraient faire une analyse avec d'autres fermes euh, semblables à la leur, puis tout Mettre ça sur une base commune pour euh, comparer, je pense que l'outil peut euh, être très utile. Euh, J'ai aussi développé un algorithme qui, qui détecte les mots-clés des comptes, la charte de compte du producteur, puis qui les affecte à, mes, euh, à, à notre charte de compte, qui permet de sauver du temps. Puis on a différents indicateurs de, de résultats, des ratios de gestion là, intégrés euh, à ça. Euh, pour la suite du projet, j'avais menti, c'était mon avant-dernière diapo. Euh, je, peux, je, prends, je peux encore prendre des volontaires. Il reste quelques semaines là, à travailler euh, là-dessus. Puis la saisie de données, quand que, si vous avez des données complètes que vous connaissez, vos données de temps de travail, de mise en marché, euh, la saisie peut se faire assez vite. Ça, pourrait, ça permettrait d'augmenter la précision de l'étude. Si vous pensez que vous pourriez euh, euh, me donner des données à votre ferme pour enrichir l'étude, euh, venez me parler. On va publier des budgets de référence. L'outil va être en ligne bientôt. Puis je vais offrir une formation là, pour. Euh, on va regarder ça plus en détail les résultats et l'utilisation de l'outil. Puis, le dernier message que je répète souvent, on vous encourage à collecter vos données, euh, ça, ça, ça aide à la gestion, ça aide à vous, euh, vous situer, puis ça nous aide, nous, à produire des, euh, des connaissances qui peuvent vous être pertinentes plus tard. Je remercie les producteurs, je ne les ai pas nommés ici. Gros merci à tous ceux qui m'ont donné leur, euh, leurs informations. Je ne les nomme pas parce que mon, mes échantillons sont tellement petits, j'avais peur que, les, euh, que ça trahisse l'identité de, de certains, là, les, les quelques chiffres que j'ai donnés. Euh, donc, si on a le temps, on va prendre des questions, sinon on peut se voir à la salle de réseautage tantôt. Merci. Merci beaucoup, Geoffroy. En fait, euh, on va avoir euh, euh, du temps pour des questions. Euh, je voulais euh, aussi vous dire que le travail de Geoffroy va être extrêmement pertinent pour euh, toute la relève agricole, juste au cégep de Victoriaville. On a accueilli en 2020 135 nouveaux étudiants les quatre profils confondus. Donc, pour les plans d'affaires, ça va être extrêmement pertinent, le travail que tu fais, Geoffroy. Donc, Mathieu, est-ce qu'il y a des questions pour Geoffroy? Euh, il y en a plusieurs qui veulent savoir s'ils euh, peuvent avoir accès au fichier Excel. Euh, oui, très bientôt. Je sais que je n'arrête pas de dire ça depuis des mois, mais euh, euh, oui, de, 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 envoyez-moi un courriel, puis euh, je dirais, là réalistiquement dans, 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 dans une semaine, j'ai une version de travail que je peux vous envoyer. Étienne Et, Goyer demande euh, rentabilité point d'interrogation. Je ne sais pas si euh, tu comprends la question. Je... Ben, C'est une question euh, large. Euh, les échantillons sont trop petits pour conclure sur des tendances euh, vraiment. Puis les, il y a beaucoup d'hétérogénéité même à l'intérieur de nos... Euh, nos, euh, même, même en sélectionnant des fermes de, de, de taille similaire, là, les, les, les dépenses pour chaque poste sont, 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 sont très, très différentes d'une à l'autre. Euh, donc, les résultats financiers aussi, c'est bien difficile de, de, de dire avec certitude qu'un modèle semble plus rentable qu'un autre. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut dire à ce stade-ci, malheureusement. Euh, il ajoute, euh, autrement dit, est-ce que les modèles étudiés rémunèrent? Là? propriétaire. C'est complémentaire. Ben oui, euh, ce n'est pas, euh, pas toujours de la grosse rémunération, là, mais euh, oui, ça rémunère les propriétaires. Euh, Jonathan demande, est-ce que le budget familial est pris en compte si une famille habite sur place via à l'extérieur? Euh, non, je n'ai pas, pas encore été jusque-là. C'est le genre de détails que, que je veux, je veux peaufiner dans les, les semaines à venir, relancer tout le monde, puis aller euh, chercher ces, ces, ces petits détails-là. Là. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté de continuer à collecter des données sur plusieurs années? Euh, volonté, euh, oui. Euh, puis on verra si on trouve les, euh, les, le, le financement pour faire ça. Je pense que le... le s'il y a des, des gens qui se mettent à utiliser l'outil, étant donné que tout est sous une charte commune puis exportable facilement, euh, il y aurait moyen de, de se faire une, une, une banque de chiffres euh, euh, qui contient beaucoup plus de fermes que les, les vins que moi j'avais. Je pense que ça pourrait devenir très intéressant euh, si, on a, si on collecte beaucoup d'informations comme ça là, de plusieurs fermes. Euh, si on intérêt, encore... en tout cas, on va trouver un moyen d'avancer de, de, là-dedans. Si on a encore du temps, il y a plusieurs questions qui sont apparues. Euh, y a -il on a une encore analyse... deux minutes, Mathieu. C'est bon? Okay. Y a-t-il une, ala... une analyse distincte pour les coûts de serre versus champ? I wish. <laughs> euh, non, parce que c'était déjà. Euh... Comment dire? Ju juste les regrouper par. Puis, je n'avais pas l'embarras du choix chez mes participants. Euh, juste les regrouper par superficie et chiffre d'affaires qui se ressemblent, euh, c'était déjà pas mal euh, limite. Euh, donc, après ça, le, avoir des, 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 euh, des, des, des tailles de serre et de tunnels qui se ressemblent. Euh, non, par contre, euh, 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 c'est un bon add mais chez les fermes bio-intensives, euh, le premier modèle, là, ils, ont, ils ont presque tous 250 mètres carrés de serre. C'est le fun pour ça, mais les autres, il y a beaucoup plus de différences. Dernière question? Oui, avez-vous fait les comparatifs de marge brute du maraîchage ramené au mètre carré de planche? Non. Il y a taux d'hétérogénéité d'un in, variable. Je trouvais ça. Euh, J'y euh, euh, arrive pas. J'aurais peut-être besoin d'une maîtrise de recherche pour y arriver. Mais avec les données que j'ai, je ne me sens pas capable d'aller dans ce niveau-là de détail. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis, euh, euh, Geoffroy, merci beaucoup. Dans Jacques. quelques minutes, on ouvre une salle, puis on peut continuer de, de discuter. Là. Oui, exactement. En fait, euh, là, on s'en va à la pause. Euh, je vais juste euh, vous dire deux petites choses, en fait, puis Geoffroy va intervenir aussi. Là, pour la pause, il y a, vous pouvez faire euh, ben, plein de choses, entre de autres deux. Soit retourner à la page d'accueil où là, il y a les kiosques de tous les commanditaires qui sont là. Fait que si vous voulez aller euh, vous cliquez voir euh, qui, avec qui vous voulez aller parler, ou il y a deux salles de discussion qui vont être ouvertes. Geoffroy va vous montrer comment faire, mais sachez qu'on reprend à 10h45 pour la conférence qui suit. Je vois si tu veux montrer comment aller dans les. Euh, oui, les je suis de ici sur le, le portail d'accueil euh, de l'événement. Vous remarquerez que dans l'horaire euh, ici, puis je vais, je vais copier d'ailleurs les liens euh, euh, dans le, 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 le fil de discussion de la séance en cours. On a un lien pour le salon, un salon, pour le salon 1, où on va discuter avec Joseph euh, de l'atelier paysan puis un salon 2. Où on veut discuter des. Euh, on va continuer de parler de budget, de modèle d'entreprise, puis de, de collecte de données. Euh, vous avez juste à cliquer dessus. Là, comprenez que ça va fermer votre euh, salle Zoom actuelle et en ouvrir euh, une autre. Il va falloir que vous reveniez dans la salle actuelle après ça pour euh, réintégrer la, la conférence. On, re, on revient à quelle heure euh, 10h45, c'est-tu ça on... On est sous l'heure? Ouais, 10h45 euh, de retour euh, après la pause. Il va y avoir possibilité si, euh, si vous voulez continuer de discuter dans les salles alternatives. Euh, si on veut, on va pouvoir les laisser ouvertes, mais à 10h45, on recommence euh, ici. Fait que su surveillez l'heure. On va essayer de penser à faire un, un appel dans les autres euh, salles. Là, mais On va recommencer à 45. Euh, y, y a t quelqu'un d'autre qui l'a fait copier le. Je, plus, je suis en train d'essayer de chercher la, la discussion. Tiens, voilà. Il y a euh, <laughs> François Gendreau Martineau qui a mis un lien tantôt. Ah, il l'a fait déjà, bon. Vu que je l'ai sous la main, ça c'est euh, Joseph, puis euh, les budgets. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire euh, ben, on a, des, on a des, des, des exposants, on a eu des généreux euh, commanditaires de l'événement qui ont, qui ont aidé vraiment à la réalisation de l'événement. Ça serait gentil d'aller leur le faire un petit coucou. Ils s'ennuient tout ça dans leur euh, salle de vidéoconférence. Euh, si vous allez ici, là, dans le lien en haut, Salon des exposants, vous avez euh, une belle brochette euh, d'entreprises qui offre toutes sortes de services euh, à l'agriculture. On les remercie beaucoup pour leur, euh, leur rapport. Puis euh, allez les, les voir. Si vous rentrez dans l'affiche euh, d'une entreprise, Là ici, vous avez un bouton Discuter en direct. Ça va ouvrir une, une vidéoconférence dans un autre système que Zoom. Hein, vous pouvez les, avoir les deux ouverts en même temps puis vous allez pouvoir discuter avec les représentants. Ou sinon, vous avez des vidéos qui présentent leurs produits et services. Je vous invite à les visiter. Ils ont généreusement contribué à l'événement d'aujourd'hui.